Est venu se placer en tête. Ah, ils sont maintenant une petite dizaine. Ça se tire sur l'écran géant à cette cheville. De l'autre côté, à l'extérieur. Toute la galaxie des triathlètes, des clubs de triathlètes ont suivi ton épopée durant ce championnat, ce parcours du championnat de France. Et on voit que tu finis au pied deuxième. Et ce garçon, c'est une classe internationale. Est-ce qu'on peut dire que tu as réussi quand même très très bien en course? Ouais, mais moi je suis vraiment content. Voilà, je savais que Hassan, Morad, même Romain Colnostri, etc., c'était vraiment des professionnels, des crossmen, quoi. Donc moi, déjà, j'avais misé top 15. Voilà, je fais deuxième, je suis content. Je fais la course que j'avais envie de faire, savoir remonter de l'arrière. Donc nickel, moi je suis content. Il y a beaucoup de monde qui m'a encouragé, et très DTA, donc génial. T'as pas une petite tentation à tenter la course à pied? Bravo Morad. Non, moi pour l'instant, honnêtement, je vise vraiment les Jeux Olympiques en triathlon. Comme je t'ai dit, si je fais une médaille olympique, je verrai pour bifurquer la course à pied. Mais pour l'instant, voilà, c'est le triathlon qui me remplit le frigo. Et tant que ce sera comme ça, j'aurai pas trop le choix. Mais je suis vraiment très tenté par l'athlé. Et pourquoi pas, après les Jeux, tenter une sélection peut-être aux Europes de cross ou un truc comme ça. On verra.
On a vu quand même un petit changement dans la course, quelques changements d'allure. Est-ce que tu as pensé un moment revenir et éventuellement gagner la course? Non, je savais qu'Hassan Chadi était vraiment loin et que ça allait être très compliqué pour moi de jouer avec lui parce que j'ai pris du retard dès le début. Par contre, je savais que voilà, il y avait des chances que les gars qui craquent devant se retrouvent sur ma route. Et voilà, je ramassais un peu les morts. C'est des courses comme j'aime les faire. Et je pense vraiment que ça m'a bien servi pour le triathlon. Et voilà, on aura une réponse le 18 août, on verra ce que ça donne. En tout cas, merci, on suit ça pour les JO. Avec plaisir. Un particulier ou un jour sans? Toi, c'était vraiment un jour sans, ouais. Au niveau des jambes, il n'y a rien au niveau des jambes. Au fur et à mesure, tu vois, je prenais la boue, je glissais n'importe où, j'avais plus. Au niveau des appuis et tout ça, tu vois, est-ce que... Non, ça répondait pas et... c'est sûr que... Et pourtant, sur les premiers tours, t'as laissé l'impression que c'est toi qui donnais le rythme. Ouais, c'est moi qui donnais le rythme. Après, bon, peut-être. Après, c'était à contre-coup, quoi. Mon corps, j'ai l'impression qu'il m'a lâché aujourd'hui. Et que. C'est vrai que c'est un rythme, c'était pas un rythme. Toi, je pensais. Avec des gars. Je pensais que. Aujourd'hui. Je pensais que. J'allais finir avec des mecs devant, avec Gomery, avec les étrangers, mais... Quand vous avez vu partir, il n'y a pas moyen, ça... Non, j'ai eu une chute, j'ai glissé, je suis tombé, donc j'ai dû me relever. C'était signe déjà que t'étais pas bien pour chuter ou c'est... au niveau cardio, ça a été, tu vois. Donc sans me rendre compte, parce que je vais dire à la mesure qu'ils sont. Je pense qu'il y avait mieux à faire au vu de la course. À deux tours de l'arrivée, j'étais vraiment bien. J'étais avec Vincent, on était au train, je me sentais vraiment très très bien. Et je sais pas pourquoi, à un moment, je prends la tête et je commence à sentir un point de côté. Et là, je prends le point de côté dans l'avant-dernier tour. Je suis obligé de lâcher complètement pour Vincent. Il me met 50 mètres en une minute. J'ai failli abandonner pendant tout un tour. J'hésitais à m'abandonner. Et au final, après, j'ai relancé... dans le dernier tour parce que le point de côté est parti, mais c'est vraiment dommage parce qu'à un moment j'ai vraiment cru à deux tours de l'arrivée, j'ai vraiment cru à la deuxième place parce que je voyais que Mourad craquait et Vincent je pensais pouvoir l'avoir au sprint et au final, le point de côté m'a complètement tué. Après, cinquième français c'est bien, mais il y avait deux ou trois à faire je pense aujourd'hui. En tout cas merci. Et voilà, je me reste. Et voilà, j'attends rien de personne, mis à part ceux qui me soutiennent déjà. Déjà, voilà. Mourad, du coup, on parle bien d'entraînement maintenant. Ouais, ça manque. Il y a aussi Brian qui est parti, qui est redescendu sur Lyon parce que c'est vrai que c'était difficile de trouver un logement financièrement. Voilà, comme j'ai dit, c'est difficile qu'on n'ait pas aidé financièrement. Et voilà, c'est dommage parce qu'on est un groupe de jeunes, on est de la même génération et tout ça. On fait une bonne dynamique, on s'entend bien et c'est vrai que c'est dommage. Moi, comme il m'avait dit qu'il changeait d'entraîneur et... Donc j'étais un peu déçu, mais après on s'entraîne toujours à l'INSEP. On se voit, on partage des séances de musculation avec notre préparateur physique, Michel Gillot. Et donc voilà, on s'amuse dès qu'on se croise, on prend du plaisir à travailler ensemble. D'ailleurs, Hassan, un petit mot sur Brian qui remporte le cross court, tu remportes le cross long. Est-ce que vous vous êtes parlé de... Non, on s'est téléphoné, on savait que... Voilà, lui, il revient un peu de blessure, donc j'étais très content pour lui. Il gagne le cross court et surtout que c'était pas facile. Je pensais que c'était un parcours... pour lui avec la boue, mais voilà, il m'a surpris et il a gagné. Moi j'ai gagné, ça me fait plaisir aussi parce que l'année dernière on avait fait aussi le doublé en salle, donc c'est le fruit aussi d'un travail de plusieurs années, quoi. Ça vient pas comme ça. Et notre coach, mon coach Jean-Claude Vollemet est attaché dans la course, donc voilà. Moi je me suis accroché à un moment donné où c'était difficile, et après, voilà, comme j'ai dit, je l'ai senti un peu dans le dur, dans la boue, et j'ai attaqué. J'ai attaqué pour prendre mes distances et courir ensuite à mon rythme. On a vu au championnat de France, tu as quand même peiné, enfin sous le 3000, ça n'a pas bien fonctionné. Est-ce que tu n'as pas douté aujourd'hui par rapport à cet échec?
Ouais, on n'est jamais sûr de soi. Après, avant les compétitions, il y a toujours, toujours le stress, même si, même si on a de la marge, ouais, on est toujours stressé. Et voilà, le 3000 mètres, c'était dans l'objectif de donner du rythme. Donc, comme je prépare aussi le marathon, il faut trouver un équilibre entre le 3000 mètres et les distances plus longues. Dernière question, l'année dernière, on a vu que tu as fait une performance au niveau international, une au semi-marathon. Est-ce que tu penses, est-ce que tu as un regret de ne pas avoir participé au semi-marathon de Paris aujourd'hui ? Non, j'ai pas de regret parce que j'avais le choix. Donc j'ai fait le choix de faire le cross. Déjà, j'avais prévu depuis longtemps de faire le cross en début d'année, les France de cross. Donc voilà, j'ai essayé de pas m'éparpiller au niveau de mes objectifs et. C'est vrai que c'est peut-être un mal pour un bien d'avoir le cross et les semis en même temps. Au moins, ça laisse. Ça met vraiment des objectifs clairs. Ceux qui veulent faire la route, bah, ils font le semi. Et ça ne permet pas d'enchaîner les compétitions. Donc voilà.